Et bien salut tout le monde, c'est XBSK, toujours en compagnie de la Dream Team, toujours présente, toujours chaude, cuné, toujours pour enflammer les cœurs comme d'habitude. Ah oui, les cœurs, et c'est Blood pour massacrer Cuné quand il a ses envies de feu quoi. Et notre petit Neftis. Neftis, bien. Oui. Allez bien. J'ai vu la note numéro 10. Ouais, David, mais là, se battre avec une rame, c'est magique. C'est la même que dans The Thailand ? Ouais. Non, elle est mieux faite. Ah, t'as même des rames là. Vous voyez, on a au rabais sur eBay. Non, personne. Y'a quelqu'un qui a besoin d'aide ? Ouais, quelqu'un qui a besoin d'aide. À mort ! Tuez le survivant et prenez tout ce qu'il y a. Un poids lourd ! Ça sert à quoi, un poids lourd ? Vous avez un camion là, ah ouais. Par contre, je trouve que niveau parcours, c'est pas encore du niveau de Mirror Edge. Hein. Pas pour vous. Cuné, okay. Regarde. Ouh. T'as sauté. Alors. Je cherche le déchet. Voilà. Ça me fait tellement rire. Ah. Ça veut rien dire. Sans déconner. Mec, c'est un putain de phoque. Alors... Ah, bonjour monsieur. Ça garafle toujours les livraisons. Vous voyez du caravane, là? C'est possible, il y a tout qu'à vendre. Je viens de la part de Rice. Hein, encore? Mais on vient de vous donner de l'argent. Allez, venez, il est ici. Ah, quoi que, non. Ouais. On va aller... à l'objectif. Players ici, avec ce vieil écran, avec toutes ces traces de doigts. Il avait rien d'intéressant au final, donc... On peut se soigner ici. Eh, mais en fait, quand on vient ici, on récupère toute notre vie à chaque fois. J'avais pas remarqué. Non, je récupère pas du tout. Si, j'étais à 25%, je suis à 125 maintenant. Tricheur. Ah. Hein ? C'est passé quoi ? Karim, j'ai récupéré l'argent au débarcadère. Et je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer. Tu seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail. Ouais, gringo, viens chercher ta récompense. Ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Par contre, fais quand même gaffe parce que si vous avez le malheur d'appuyer sur espace pendant les phases de dialogue là, ça peut les annuler directement en fait. Ah, c'est con. Et ouais. Ah, c'est con. Pour ceux qui veulent avancer très vite, on. Ah, il y a de la bouffe ici. Dans les petits trucs là. Ah, il y a. Oui. Il y a un handicapé mort, mais. Oh non, commence pas, toi, c'est pas moi, mais... c'est le jeu. Il insulte les handicapés, il brûle les gens, mais cet homme est sans pitié. C'est pas moi, c'est le jeu qui a tué un handicapé. Comment tu peux savoir qu'il était handicapé? Il est né sur une chaise roulante. On n'appelle pas ça un sans pitié, on appelle ça un connard. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a basculé au 18ème étage. On essaie de maîtriser la situation, mais bon. Écoute, Crane, il nous faut de l'antigine, et tout de suite! Rice m'en a promis deux caisses, Brecon. Deux caisses! Je fais aussi vite que je peux, je te promets. Dépêche-toi, je t'en prie! Non, on les laisse mourir et on prend tout ce qu'ils ont. Comment on entre? Par le toit. Par le toit. Et pas en toi. Ouais, encore heureux. Décapitation. Il faut activer quoi là? Voilà, derrière. Oh, faut tuer tout déjà. Voilà. Bim, dans ta gueule, connasse. L'active. Plein de lumière. Non mais tu vas mourir, oui. Ah, et on voit le cerveau et tout, hein, c'est dégueulasse. Génial. Comment? Là partout, c'est dégueulasse. Là, les gars, je vais m'enfermer en fait. Félicitations. Pour toi. Ah, y'a de là. Super. Ah, mais je sors comment maintenant? Mais merde. Parle-toi. Eh, pas possible. Ouais, c'est ah, pas possible. Bah, tu ah, si, c'est un toit. Possible. Bah, en fait, y'avait un bug d'éclairage, je croyais que c'est juste une lampe. Putain, y'a la dose de plantes ici, hein.
j'ai pas de plantes, moi. J'ai pas pris le talent pour. Oh, tu les ramasses. Alors, j'avais pas compris comment Blood avait fait pour voir les plantes, moi, au début. Ça donne vraiment beaucoup de plantes, c'est utile ou pas? Bah oui, c'est utile. Ça, c'est pour les crafts, c'est pas mal. Quelle magnifique vue avec ce soleil qui passe à travers les arbres. Ouais, mais je viendrai pas quand même pas pour mes vacances, hein, ici. Monsieur, c'est sympa. D'ailleurs, je me pose une question, est-ce que c'est basé sur une vraie ville? Non, je pense pas. Qu'on est quand même au Moyen-Orient, là... Là, ça m'aide. C'est qui qui a lancé une grenade? Ah non, c'est un boom boom. Wouah, putain, c'est qui a voulu me faire? Wouah, y a plein de speakers, c'est la merde, y'a plein de speakers. Quelqu'un peut monter? Ah, je suis en train de me faire bouffer. Merde. Putain, vite, faut sauver Blood. J'arrive, mon gros. Mais il est un peu loin, Blood. Bah non, c'est bon, je l'ai. Allez, crève, crève. On touche pas à Blood. Connard! J'en sais rien, j'ai fait la moitié de la route, je pense. Super! Il faudrait que tu fasses un petit détour. J'ai plus d'énergie, je peux plus fouiller. Pourquoi? Une patrouille a disparu au alentour du marché. C'est pas mon problème. Salut maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. Coffre. Ah bah j'ai son Blood. Ouais, merci. Je pense qu'on va se retrouver avec des infectés dans la tour. Allez! Physique des PNJ un peu étonnant. Bah, c'est des zombies, hein. Ils sont pas faits pour être réellement réels, tu vois. Ils vendent du rêve quand tu sautes comme ça. Mais débloque la compétence alors. Je crois que je sais même pas si je l'ai débloqué, je sais plus. Crève, connasse. Regarde, Max. T'es où? Comment tu t'es loupé? Ça c'est honteux. Ah, tu es soldat de Rice. Ouais. Ah, mais ils sont à côté de toute façon. Allez. J'ai une pelle à leur faire goûter, moi. Salut! YOLO! Je crois qu'ils sont morts. Ah non, ils sont pas morts. C'est pas suffisant. Il y en a encore un là. Il a une pioche. Une c'est cru dans Minecraft. Il a si cru dans Minecraft, le gars. J'adore quand vous leur montrez votre virilité. Ah non, il a piqué la pioche. Ils doivent mourir. Ils ont que des larmes. Oh, salut toi. C'est justement lui qui m'emmerde. Attends, je vais avoir un truc pour le cramer. Lui ? Je me casse alors. Ah attends, j'ai une idée. Non ! Putain ! Oh 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 oh. Et boum ! Allez ! Il est pas mort. Il a rien pris. Oh, trop des coups de pelle. Mange ta pelle. Ouah, mais d'où je l'ai pris celui-là? Il y a plein de zombies à côté de toi, des petits. Oh putain, faites gaffe, il y en a plein là. Je viens de sauver Blood. C'est bon, c'est bon. Il est décédé, c'est bon. Non, non. On va avoir un petit coup de main là. À l'aide! Prends-toi mes coups de peine, saloperie! Jamais, ça meurt, ça cuine, hein. Mais tu vas mourir, connasse! Sérieusement! Spike, c'est Crane. Je suis devant un bâtiment marqué zone de quarantaine. Ça te dit quelque chose? Oh, que oui. C'est la zone de quarantaine qui abritait le patient zéro. C'est là que les premiers infectés ont été transférés au début de l'épidémie. Il y a eu des problèmes très vite. Je crois que j'ai trouvé la patrouille. Tes gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Recherche les plans dans une petite enveloppe. Est-ce que tu as... La vache! Quoi la vache? C'est la vache. C'est la vache. Ah mon dieu. Ah merde! Oh bah merde! Mais cassez-vous! Oh. Ah, c'est caché quoi! J'aimerais bien venir vers vous là, si c'est possible. Ouais! Pas de taille! J'irai pas plus loin, hein. J'ai pas envie de mourir.
c'est compliqué de le sauver quoi. Carrément. Ouais. Salut, comment on fait pour monter pour le choper? Bah, c'est ce que je cherche. Oui. On peut pas aller monter? Il y a un moyen. Si, rocher, rocher là-bas. N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas rentrer à temps, vous devez trouver l'abri le plus proche et attendre bon. L'eau. Bon, protégez-moi, j'y vais. C'est trop rapide. Bah ouais, pourquoi je me crois un peu rapide? Allez, je le dis, je le dis. Ah non. Je l'avais. C'est Bastos qui t'a mis. Bah, il est une mitrailleuse. Hein. Ah merde! Non, c'est mort, vous n'y arriverez pas là. J'y arriverai. Comment on fait? Mais il faut monter. Comment ça? Comment? Ah ouais, mais j'ai fait pareil, j'ai même pas eu le temps, ils m'ont tué direct. Il faut être au moins deux, hein, qui fait diversion, qui se prend les balles. Et... Mais ce qu'il a fait, il m'a mis une bastos direct et je suis mort. C'est tout. Là, on peut pas venir. Attends, oh, bah, je peux pas. Bon, bah, vas-y, je le tente. Prends la note de passage. Oh, je suis mort de quoi là? Il t'a mis des balles. Non. Oh, 13. C'est mort là. Et j'aurais pas dû 13. Putain, vas-y quoi, on a même pas de munitions, on a pas de flingue nous quoi. Ben, il faut la jouer. Putain, ouais, 800 points en moins. Molotov ou autre, mais 800 points en moins, ça fait. T'en as eu que 100, j'en ai eu 800. Oui, j'ai 800 perdu. C'est ce que j'ai dit. Ah putain, il est loin quoi. Attendez, moi je vais me faire des molotov. On va les cramer, c'est ça le connard. Bizarre qu'on puisse pas. Ah, tu vas au molotov, oui. C'est intelligent ça. Tu vises 15 bien. Molotov. Ça devrait suffire pour les cramer. Deux molotov, je vais tenter de me lancer à la gueule, mais. Ouah, wow, il y a un truc voilà. Bizarre ici là. Oui, non, c'est la zone de quarantaine. Ok. Oui, alors on vient d'y passer. Super. On est loin. Ouais, on est loin nous. Ils sont proches mais nous non. Pourquoi ça fait qu'ils sont proches? Bah parce que ça divise en deux ce joueur. C'est fait exprès en fait. Pour rajouter de la difficulté. Quand tu allais à la bête. Ah bah Neftis. Tranquille. C'est bon, vous y arrivez là. Bah disons qu'il nous canarde un peu. J'ai une idée. Faudrait que quelqu'un fasse en fait un okay, appât. Ok, bah j'y vais. Tu sais, il court tout le temps. Il me tire dessus. Non, fais l'appât, je monte, je vais le péter. Attends, il t'a je lui balance un molotov. Merde. Est-ce que ça l'a touché? Ah merde, j'ai loupé. Je crois qu'il m'a entendu du coup. Faites diversion là, hein. Il est où? Je sais pas. J'ai l'enveloppe. Je l'ai. Ah, ils sont plus là. Rapporte-la-moi immédiatement. Ah si, ils sont là. Si, ils sont là. Désolé. Ah. Tu vois, c'est lui. Mais je l'avais pété. T'inquiète, je suis là, désolé. Je suis sur l'antenne, tu me vois? T'as qu'à son tour, hein. Je suis là-haut. J'ai besoin d'aide. Ah oui, c'est quand tu fous les molotovs, c'est pour ça que je suis allé tout à l'heure, parce qu'il il a même pas un flingue sur lui. Parce qu'il y avait des munitions sur lui, il y avait des munitions de carabine. Les gars, faudrait qu'on sécurise cet endroit pour pouvoir passer la nuit. Par ici. Ah bon, on y est. Eh bah, si. Nickel. Là, pourquoi t'es pas fou? De l'arme sur lui? C'est à moi? T'es où? Bah, parce que le gars. C'est normal que je sois pas fou de lui, hein. Et moi, à chaque fois que j'entrais dans une zone, j'ai récupéré ma vie. Non, non. Ah, y'a une note ici. Là, je peux faire un kit de soins aux plantes. Blood, bouge pas. Blood. Ah ouais, il y a l'heure ici, c'est 20h33. Merci. Dans le jeu. Bon, moi, je vous propose qu'on fasse un somme. Ça peut être une bonne idée. Attends, il y a marqué attendre jusqu'à la nuit. Et dans la... Je pense qu'il va devoir le. Faut le faire deux fois, je pense. Regarde en l'air, on va le faire deux fois. Voilà. Tant jusqu'au masque, oui. On a dormi qu'une heure tout simplement. On est des sacs, allez on remonte. Non, c'est normal. Voilà, non, c'est ça. C'est pas une porte pour se barrer? On peut. Bah oui, on. Ah bah non, ça souffle pas. On t'es sérieux, faut remonter, moi ça veut pas. Ah, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de sauter en même temps. Ah, t'as pas vu ce qu'il y avait dans le ciel là qui est passé là?
Ah si, c'est un avion. Cargo. Ouais. Hop. C'est vrai que c'est dynamique. Cœur de merde. Ouais, c'est autre chose que d'aller une onde, hein. Je pense qu'ils vont avoir du mal à fermer maintenant. Ok, il est oh pas mal. Merde. Oh, je suis pas dans la bonne zone. Ah non, mais barre-toi vite, hein, barre-toi. Rice n'a pas beaucoup d'amis dans le coin. Tout le monde a peur de lui. Mais merde. Et puis tu sais ce qu'on dit. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Machiavel. Tout à fait. Un mec qui avait les pieds sur terre. Ça servira, ça. On est un peu dans la merde là, les flammes. Sinon, si on fuyait, les gars. Ah, bah, si, hein. Oh merde! Boum! Oh la vache. Vous êtes tarés. Il va faire môme, il va faire môme. Oh, oh merde! C'était une explosion d'hémoglobine. Tente un truc. Bon, si on se tirait là. J'aurais besoin d'aide si vous pouvez vous tirer vers moi. Oh merde, on arrive, on arrive. Moi, on tente de venir. Pour ma gloire. Non, non, pas pour ta gloire. Arrête avec ça, ça sert plus à rien. Ta gloire, elle est morte et enterrée depuis 1945. Gloire, 1940. Elle est présente. Ta gloire est morte et enterrée depuis 1945. Non. Ah, putain. Non. Ha. Aïe, aïe, aïe. Merde, je me suis... J'allais tuer, mais c'est les autres. Décapitation. Fatalité. Prends dans ta gueule. Ah, mais il fait mal. Aïe. Oh. Putain, mais il meurt, lui, quoi, là. Non, il est mort. Mais non. Ah, ça y est. Putain, il était tard, hein. Que rien. Vous avez libéré l'otage ou pas? Oui. Oh, merci, mon ami. Si vous êtes... On a droit à du loot? Bah oui, mais... Moi, tu peux aller te faire voir. Ouais. Putain, mais quel enfoiré. Oui. Hein. Non, non, t'as sauvé la vie, gars. Salaud. Blood, t'es où? Blood, t'es où? Pourquoi? Pas. Ah, je suis de volée. Blade, bouge pas! T'as bougé! Bouge pas, bouge pas. Ah, mais c'est pas grave, t'as besoin de vie, toi. Ah non, mais je vais te heal, mais bizarrement, je peux pas. Ah non, je suis à 44, ça va encore. Je suis 25. Un truc à ouvrir ici. Trouver des cordes et. Comment tu t'es fait, Neftis? Ça va. Bon! Putain, elle est pas mort! Bien, j'ai trouvé des noix. Bout de... Ouais. Et genre tu meurs, oui. Merde. Les gens ne veulent plus mourir aujourd'hui. Bah non, parce qu'ils sont de ta gloire. Putain, y en a combien là? Ils ne savent pas qu'ils doivent mourir pour la gueule. Non, pas pour ta gloire. Tiens, voilà. 69 de vie, c'est pas. Oh là, c'est bien qu'un massacre, hein, là. Couché! Du gaz, hein. Au sol! Oh là, je me sens mieux, là, au-dessus des zombies. Méchant. Ah. Boîte de conserve, du café. J'aime bien parce que tu vois, ils ont remis les établis pour faire du craft, mais bizarrement, ça sert à rien. Ah, c'est vrai. Oui. Peut-être après, même si je crois pas trop. Alors peut-être en difficulté plus élevée. Peut-être pour dire... comment dire... des références, peut-être. Tout simplement. Attendez, il y a un truc là-bas. Quoi, où ça? Maintenant, ils nous en donnent une. Bah oui, the fuck. Je te dis, ils avaient bugué avec les zombies. Oh, le salaud. Ils allaient péter les zombies. 84$, salaud. Ah, j'avais eu ça, hein. Ouais, j'en ai 111. Parce que Kini il a pas besoin, il... il a déjà plein d'argent. Voilà. Là j'active un piège, faites gaffe. Pourquoi t'actives les pièges? Moi j'avais envie.
Tu sais que c'est juste de la lumière bleue. Pour la nuit, les pièges. C'est la nuit, les pièges, hein. Nuit, les pièges. Bah oui. Yep. Pourquoi vert? Bah, c'est des trucs lumineux. Pour buter la bestiole. Non, la bestiole, le seul moyen que tu vas buter, c'est de balancer un rayon UV dans la gueule. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, je te parle pas ça. Moi, c'était carrément un truc électrique au sol. Oui, en fait, mais c'est des pièges UV. Bah non, ça fait... Ça ça fonctionne aussi, comme lui, en gros. Attends, il doit être bien débile, si tu veux. Bah... Je le vois pas en tant que bête, hein. Bon, est-ce que je peux monter ou je suis condamné à... T'es condamné à mourir. Wouah, j'ai vu un zombie qui est passé à travers le sol, t'es sérieux? Pourquoi c'est fermé? Pourquoi ils meurent pas? Ils sont contre les pièges, là. Faut qu'on soit tous ici? Hein, ouais. Faut me parler à Karim. Karim de vache. Allons-y. Allez, Karim. Tiens, voilà les plans. Karim le V12. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance. Ouais. C'est pas comme ces ivrognes. Rice t'attend. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. Ouh! Pas de respect! On sait tous qu'il a pas de respect. La compassion, c'est ma faiblesse. Tu leur donnes un toit, tu te bouffes le bras. Bigé, vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Mais qu'est-ce que j'ai en retour? Je peux pas vous faire confiance. Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Tiens, revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'antisine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour, mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir, à eux, à moi, à un bon petit clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens, t'auras ça et rien de plus. 5 flacons ? Mais tu m'avais promis 2 caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le scorpion, Jade Aldemir, ramène-la-moi. J'ai une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le scorpion se battre pour nous. Je me demande combien de temps elle tiendrait. Quoi? Non, pas question. Ça manque de conviction, tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui? Les habitants de la tour? Ou la demoiselle en détresse? File et réfléchis. Alors, je pense moi, que je suis d'accord pour la demoiselle. Ouais, je prends la demoiselle aussi. Moi. Voilà, merci. Si vous êtes pas d'accord, je vous emmerde. Oh merde. Comme disait l'autre, don't care, add sex. À mesure que votre cœur gagne en puissance, vous pouvez absorber encore plus de dégâts. Frappez le sol d'un coup puissant, appuyez sur C à mi-hauteur. Ouh là, cette chose. Ça peut être sympa. N'oubliez pas de mettre vos compétences, hein. Aïe, aïe. Faudrait up pour ça. Ah, je me fais dégommer. D'hab quoi. Putain, vous êtes parti loin, hein. Non, on même pas attendu. On est à côté, on t'attend. Ah merde, j'ai... Téléportation. On va demander à Mister Gray ce qu'il en pense. Ici Crane. Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jade Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et... C'est tout? Comment ça, c'est tout? Je fais pas dans le trafic d'humains, moi.
On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre. Ouais. Mais moi je dis que c'est GRE qui a balancé l'infection. Allez vous c'est faire sûr. Foutre. Moi je dis c'est le grog. Foutre. Pense plutôt que c'était pas prévu. Et que... Non, moi je sais qui c'est qui a balancé. Il faisait des expériences à mon avis. T'es cuné forcément. Voilà. Bah oui, c'est cuné en lui. Et merde, vous savez tout. Bon, je vais devoir vous tuer. Alors, le spécialiste est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Tu peux peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part derrière la gare. J'ai cru voir un truc sympa. Mais rien. Y'avait rien, putain. Il est déjà passé par celui-là, tu sais. Pourquoi t'as une blanche, là? Pourquoi y'a une zone blanche? C'est peut-être un truc avec le mec qui gueule. Ouais, ouais, je pense aussi. C'est moi, oui, il y a certain moment qu'on a pas eu de nuit. Arrête d'en parler. C'est Crane, tu m'entends? On a dormi tout à l'heure. Merde. Ouais, mais vous avez pas envie d'avoir une petite nuit? Peut-être pour le prochain épisode. Rice voulait que. On s'est fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On ira pas loin avec ça. On a un problème ici. Une épidémie a éclaté au 18ème étage. Reviens le plus vite possible. Et perds pas l'antisine. Désolé, je l'ai bu. Déjà, tu peux pas la boire, ça s'injecte. Tu peux toujours la boire, hein, c'est pas dire que ce soit bon. Fini, boit des trucs qui s'injectent. Écoute, voilà, faites pas chier, je me la suis injecté, voilà. Ben non, t'as dit que tu l'avais eu. T'as injecté pour la boire. Je suis fatigué, je fais une crise d'asthme. Alors, t'as des trucs pour moi. Oh putain, pour me ranger à côté. T'as besoin de quelque chose? Ah non, moi je rame pas du tout là, autant... Je sais pas, bah en fait là il m'affiche que je tourne à 60 FPS, mais parfois même en tournant à 60, j'ai l'impression qu'on tourne à 20 en fait, c'est ça qui est énervant. Oh non, mais ça chute de framerate sur certains endroits, mais autant... J'ai besoin de me dire qu'une épidémie a... Ouais, mais non, mais c'est pas le problème, c'est pas le problème de la chute, le problème c'est que je suis à 40 FPS constant sur le jeu, au minimum, et bizarrement, Tu as l'antisine? Donne-la-moi. Il y a eu quoi ici? Une personne a été infectée. Et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Brecken voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... Et quelques gamins dans le tas. Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lena. Et quelques gamins. Donc voilà, pour en revenir au truc, c'est que moi, tu sais, quand je tourne à 45 FPS, j'ai l'impression de tourner à 25 en fait. C'est comme si l'image était saturée, enfin. C'est comme si mon gameplay marchait au ralenti alors que j'ai les images pour quoi. Allons-y! C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antisine. Et là, on n'en reçoit plus. Il y avait des... Lena a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane! Je suis pas un leader. Je suis prof de parcours, c'est tout. Tous Freyren, c'était toi? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran? Putain de carte de visite! J'espérais trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et quitter mon petit appartement pourri. Écoute, je vais aller parler à Rice. Eh, attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Il y a sûrement une solution, une meilleure solution. Très bien.
Je vais attendre. Mais fais vite. La TV à 1500 euros, putain! Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Ah, c'est maintenant que, maintenant que t'as des armes morts. On a tout cramé. Non, c'est encore haut. Mais c'est beau, tout j'ai ramé complet, là. Moi, non, ah, bah, je crois que j'ai plus rien, moi. Hein? T'as tes décos? Non, bah, j'ai un écran. Oh merde. Blood a tes décos. Oh merde, les gars! Ouais. Ah! Resize buffer. Non, resize buffer fade. Ah. Il est buffer. On la sent l'optimisation, hein. Bon, bah attends que tu reviennes, on va regarder un peu la zone. Ouais, y'a pas grand chose. Non, mais je vais voir s'il y a où le PNJ qui permet d'acheter des trucs. On a pas une nouvelle tenue, oh, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on a une nouvelle tenue, moi. Ah, mais laissez-moi la mettre, moi j'ai pas changé. Oh, t'attends là. Oh merde, c'est en bas. C'est en bas. Là, c'est les gosses. Mais d'abord, je vais aller voir les. Bah, les tunes sont en bas aussi, putain. Mais là, la tunique est en bas. Tut. Il a. C'est pas cool la tenue. Alors, athlète. Ah, j'aime bien traceur, moi. Je vais prendre l'athlète, moi. Moi, je vais prendre le traceur. Bon, la thune, maintenant. Salut. Et toi? Ok. Tu sais que t'as une tête de con, mec. Oh, la bourse. Putain, c'est que 250, la bourse? La bourse ou la vie? Mes balls! Des bonbons ou des farces? Ma bite! Un champignon. Vous avez pas lancé la quête, hein? Non, non, t'inquiète. Non, la plan fille. Clé de Benjamin Franklin, lol. Non, mais sinon, ça nique la sauvegarde. Il nous manque, Benjamin. Oh, mais un kit de sang, ça coûte pas cher en fait. Par marque. $1. Cher quoi. Ouais. Quoi? Kia. Je sais pas, je vois. Chargement et l'écran noir. Tu as peut-être reboot ton PC, non? Non, non. Connexion joueur choisi impossible. Le joueur Zero Ping Blood n'a pas pu se connecter. Peut-être parce que je suis dans le. Dans le marchand, vas-y, réessaye pour voir. Ça t'avait pas déjà fait avec Borderlands, ça, une fois? Je sais que vous avez fait ça avec un jeu une fois. Pas le même mot. Arrête de te foutre de son accent belge, quoi. Non, mais il a juste été une fois, ah, et voilà. En fait, bizarrement. C'est ça, en fait. C'était parce que j'étais dans le menu en train de regarder pour. En train de faire lui dans le menu. Non, mais il y avait un jeu comme ça où est-ce que si jamais t'avais le mode dans le menu, personne pouvait te rejoindre. Ça commence à dater un peu, ça, non? Oui, oui, où le PNJ, là? En bas! Non, mais pour le... C'est là où il y a le lit? Bah, c'est en bas, ouais, là où il y a le lit. Non, mais pour me changer. Que je dis? Oui, oui, oui. Tu veux pas rester en jaune? Bah, non, je te dis. Tu veux pas de rester un petit chinois? J'aimerais bien changer, mais attends, c'est où? C'est là, c'est ça, c'est le petit sac, là. La planque, hein? Ah oui, tenue. On sort l'homme. Soit je suis un traceur, soit un athlète. Ah bah, je vais être un traceur. La 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 la. Je me déplace, je me déplace, je me déplace, déplace. Je me déplace, je me déplace. Bah. Pousse-le. Raïm. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Crane! Je peux te faire confiance? T'es sous ou quoi? Oui ou non? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il? Les éclaireurs ont trouvé un hydrapace dans ce gratte-ciel.
Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Ah, me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antizine dont on a besoin. On fait une bonne équipe. Ah, merde! Me lâche pas! Me lâche pas! Oh putain! Tu vois, on fait une bonne équipe. Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike, mais bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi, ça ? Je devais partir le dimanche. Et ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok ? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. Tu sens que c'est pas une bonne idée de tout faire péter, quand même. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne... Attendez, mais faut qu'on remonte. Faut contacter le... GRE, encore ! Bah oui... Moi je les emmerde. Mais c'est des connards ! On prend la femme et c'est tout ! Passe pour eux, c'est comme ça. On garde la femme ! L'anneau ! On garde la femme et on nique les enfants ! Non ! Non. Ici Crane, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antizine près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antizine, et ensuite... Ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés, avec votre fichier à la con. Je vais le trouver, mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. T'as raison. Bien dit. Ouais, il a enfin une morale, ça y est. Il a enfin des... J'étais où ? T'as raison, tu prends le fichier et tu crées de nouveaux zombies. Non, en fait, je pense que Cuny va nous trahir et va le voler. 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antizine. Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi ? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons près de l'école. Ok. Au fait, Jad. Si jamais on retrouve pas l'antizine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos d'eux ? Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. J'ai entendu Jeanne à la place de Jade, moi. Elle est où, Jade ? Elle est où, Jade ? Elle est où, Jade ? Elle est où, Jade, c'est Neftas. Où on peut trouver plus d'antizine. Je vais la retrouver dans un des wagons. Je suis sûr et certain que l'entrepôt... Sors-toi un café, Jade. Que l'entrepôt, c'est là où se battent les mecs de Rice et que c'est... C'est là qu'il voulait qu'on l'emmène, ouais. En fait. C'est qui ? Bah, on verra bien. T'arrêtes de spoiler, là ! J'ai spoilé même pas, je connais pas le jeu ! Eh ben, on s'en fout. Garde tes théories foireuses pour toi. Genre, je peux pas avoir des théories. Tiens, d'ailleurs, je vous pose une question. On peut pas se TP directement dans des zones ? C'est pas intéressant. De toute façon, non. Hein ? Se déplacer ? Et si on peut sur les machins verts ? Vous avez pas nous fait une moi il veut pas. Moi il veut pas se déplacer. Ouais. Non il veut pas moi. Miro Rage ! Oh merde. Oh non, j'avais... Miro Rage ! Oh merde. Bah, y'a un zombie qui m'a... Oh non mais vas-y le jeu là, dérame bordel. Ça sent l'optimisation. Ouais. D'accord, j'ai eu un truc qui s'est passé bizarre là. Oui. Surtout le mob impossible à buter, ouais.
J'ai eu un retour Windows, j'ai pas compris pourquoi là. Bon, crève, merde! Mais il va mourir, putain! Ah, y'a un truc qui explose, non? Ah non! Mais il faut combien de coups pour qu'il crève? Je sais pas, moi j'en ai filé 15 avec une arme orange, s'il te plaît. Là. Bah, c'est cop à 4, hein! Il fait du bel, une dizaine de coups, il est pas mort! Bah, moi c'est au bout de 15. Son truc. Quoi? J'adore comment on est tous dispatchés là. Voilà, j'ai décapité, il a fallu le temps quoi, la vache! J'ai eu un gros coup de marteau, un gros coup de burin dans la gueule. Le jeu qui veut vraiment pas que tu combattes. Ah non, c'est, voilà, juste que, c'est juste qu'on est vachement bas level si tu remarques. Hein. Par mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de level, hein. Il n'y a pas de level dans le jeu. Après, il y a toutes les compétences. Oui, si, il y a marqué. Il y a marqué qu'on a en intermédiaire hein, tout à l'heure, c'est ce qui m'a marqué. Ouais, parce qu'on est pas bien stuffé ou autre, hein, c'est tout. Bah ouais, c'est ça. Bon, on y arrivera même sans. Et oui. Quoi, les herses vertes là? Je sais pas ce que c'est depuis tout à l'heure, j'en ai. On vient de te le. C'est les machins quand tu les actives pour la nuit. Les pièges. Ah, oh là là. Quoi. Bordel. T'es concentré sur un truc hyper important. Carrément, c'est vachement important. Tu sais pas. Je sais ça, que la pelle. J'aime bien voir qu'une est arrivée comme ça. Salut, ça va? Ah d'accord, faut ouvrir le wagon, d'accord. Viens ici. Tu devrais voir ça. Il se passe un truc à l'école. Ça fait des heures que les gars de Tahir transportent des caisses. Allons voir ça de plus près. Il y a quoi dedans? Bonne question. Si c'est de l'antizine, il nous la faut. Ce Tahir, il mérite pas de vivre. Oh, elle est partie où, bordel? Bon, et bien moi je propose qu'on fasse attention quand on y va. On a combien de temps de vidéo avant? Là on a presque 50 minutes, donc je pense que pour cette mission là on arrête. Là on s'arrête. Faites attention hein. On reprend directement. Trouver l'entrée. Non. Trouver l'entrée. Elle est là. Fermé. Salut. Merde, c'est fermé à clé. Jade, c'est fermé de l'intérieur. Je fais quoi? T'as quelqu'un qui a des clés? Il y avait une entrée à l'arrière pour le sous-sol. Entrée à l'arrière. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu de la vie. Il y a du son blard. Ça doit être ça l'entraîne. Putain, j'espère que j'aurai bientôt le finish, moi. Putain, il est en train de me cracher dessus, cet enfoiré de son blard. Pareil ici. Bon, tu vas devoir prendre la même entrée que moi. J'espère juste qu'on trouvera une autre sortie si besoin. Sur le toit. Hmm.
Et maintenant faut monter. Je fouille avant tout les... Très difficile le crochetage, attends. Très difficile, ça doit être de ouf. Réussi. T'as elle est invincible. Eh non. Petit couteau de désosseur, munitions de fusil. Ah, pistolet. Parfait. Putain, il a un flingue. Ouais. Je le garde pour plus tard. Hein. On peut pas monter là-dessus, ça ira tellement plus vite. Oh là là. Encore se casser les couilles à chercher comment aller là-dedans. Ah, peut-être trouvé. Admirez les gars. Admirez les gars. C'est pas bon. Splitter. Attends, j'ai trouvé. Embauche plus. Ta gueule. Merde. Boomer. Il a un flingue, maintenant il se sent plus. Score. Crève. C'est bon. Arrête de pleurer, tu lui donnes un coup dans la gueule et c'est bon. Score. Ah, boomer numéro 2. Ok, il y a deux splitters. Voilà. Ah, oh putain, pas lui. Ah, hey. Lâche-moi, Pascal. Voilà. Tiens, bim. Merci, bim. Bim. Ah, il est tombé. Non. Il a failli tomber. Oui. Fini. Oui. Bien. Bon, toi d'abord. Les femmes d'abord. Qu'est-ce qu'il y met ? Ah oui. Ah, c'est qui ? Ouais, vous êtes tués, bande de cons. Putain de merde. Vous pouvez me protéger pendant que je crochette, s'il vous plaît ? Ouais, je suis le zombie et j'arrive. C'est bon, crocheté, réussi. Et quoi, ce zombie qui pioche grossière et Les gars, y'a un zombie qui évite tous les coups. Quoi? Bah oui, lui. Mais non, mais je te jure, moi, il évite tout. Oh, regarde tout ce que j'ai fait. Je comprends pas. Parce que t'as pas un bac plus mat en un chat de zombie, c'est pour ça. Ah non, peut-être que j'y allais avec la pelle, c'est pour ça, mais... Par contre, j'ai une nouvelle arme, elle avait l'air intéressante, c'était la pioche grossière. Par contre, les gars, faut aller dans l'école. Oui. Oui, mais tu permets. Ça va te plaire, petit pédobir. C'est mon élément naturel, en plus. Pédobir qui est dans une école, attends, c'est génial. J'ai vu Taïr à l'école. Bon, je pense que ça va être à peu cette magnifique cinématique, voilà, c'est fait. Ok, Jade, je suis entré. Fouille les classes. À mon avis, c'est là qu'ils stockent les marchandises. Elles doivent être marquées. Le jargon militaire est plutôt simple. Tu devrais pouvoir les identifier. Bon. Ne bougez plus, on s'arrête ici. Genre. Bon, sur ce, on espère que cet épisode vous aura plu. Il y a eu plein d'amour, plein d'émotions, plein de zombies et plein de blood qui essaie de me tuer. Maintenant, il a décidé de me tuer. Bon. Eh les mecs, vous êtes mignons comme ça. Oh l'enculé. Quel enflure. Ouais, vous avez juste menacé, c'est tout. De rapidité. C'est bon. Réflexe. Allez, sur ce, n'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, je préoccupe, vous connaissez la chanson, vous connaissez ce dicton. On vous laisse, on vous fait plein de coups partout, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec plein de rayons UV. Voilà, allez. Et loulou, mot de la fin. Arrêtez de faire du bruit. Cramé, non, écoute. Nous allons à l'école pour étudier. Oui, ben écoute à la porte, hein, tu vas voir. Ouais, ça a l'air sympa ce qu'il y a derrière la porte. Bref, hey tout le monde, ciao.